bonjour, bonjour, bienvenue sur Jeux Actu, bienvenue à l'E3 2018. Nous sommes à Los Angeles et je me trouve actuellement dans le hall sud du Convention Center, là où se trouvent tous les éditeurs tiers. Nous avons ici par exemple Ubisoft, à ma gauche c'est Bandai Namco et à droite là-bas c'est Capcom. Tous les grands éditeurs sont donc là, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur et si vous me connaissez, vous le savez, il s'agit de SNK. C'est vraiment un éditeur que j'aime beaucoup, notamment pour sa Neo Geo avec laquelle j'ai grandi, la fameuse Rolls-Royce des consoles. Et vous le savez, il y a quelques semaines, l'éditeur japonais a annoncé la sortie prochaine d'une console Neo Geo Mini. Vous le savez, c'est la mode en ce moment de sortir toutes ces vieilles consoles en version miniature. Eh bien, l'éditeur japonais est ici à l'E3 2018 pour nous présenter sa machine. Le stand est juste ici. Il est un petit peu, il est tout rikiki. Mais néanmoins, on va pouvoir découvrir la bête. Eh bien, je vous propose de me suivre et on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, venez. Voilà, nous y sommes devant les deux Neo Geo Mini. Et regardez, par la magie du montage, je me suis également changé. Je vous expliquerai plus tard en fait. Donc, alors, les deux machines sont ici. Comme vous le savez sans doute, il y aura deux modèles de la Neo Geo Mini qui sortiront donc de façon décalée. La première, c'est celle-ci. C'est la version japonaise qui sortira en fait dans toute l'Asie. Et en fait, c'est la réplique parfaite, miniaturisée, de la borne Neo 29. Vous la reconnaissez facilement avec ses différents coloris et surtout en fait le bas de la machine qui est donc rouge avec les boutons de couleur et surtout toute la marque SNK qu'on voit ici. La version européenne qui sortira en décalé, la différence, c'est également au niveau du socle avec des couleurs un peu plus ternes, un peu plus sobres on va dire. Pas de coloris au niveau des touches, en revanche, on a un joli liseré bleu ici au niveau du stick arcade que vous voyez là. Voilà. Et pour une raison dont on ignore, eh bien, ils ont décidé de coloriser les boutons Start et Select qui reprennent évidemment le code couleur de la marque Neo Geo. Cette petite machine qui, vous voyez, tient parfaitement dans la paume de la main. Donc elle est vraiment très très légère. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Au niveau des finitions, je trouve que la machine est vraiment très bien faite, véritablement. Le choix du matériau, évidemment, c'est du plastique. Mais voilà, les finitions, les contours, tout est bien assemblé. Il n'y a rien qui déborde. Tout est vraiment bien bien fait. Nous avons même en dessous, regardez, toutes les spécificités techniques de la machine. Donc Made in China, on a évidemment SNK, le logo qui est ici derrière. Des petits grips en dessous pour bien adhérer au niveau des surfaces. Au niveau des boutons, alors vous l'avez vu tout à l'heure, là on a le stick arcade, les boutons classiques A, B et CD, Start et Select qui sont ici. À l'avant, nous avons le droit à deux petites. C'est là d'où sort le son en fait. Regardez. Un son d'ailleurs qui se comporte vraiment très bien, on entend de façon vraiment très intelligible. Nous qui sommes ici dans le salon, il y a un brouhaha constant et pourtant on entend parfaitement le son. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien, c'est-à-dire que lorsque vous allez jouer sur cette mini borne d'arcade, eh bien vous aurez un son impeccable. Alors ensuite, vous allez voir à l'arrière, nous avons les branchements, la connectique. Nous avons ici donc une prise mini HDMI sur laquelle vous allez pouvoir brancher donc un câble qui sera fourni avec la machine et que vous pourrez relier donc à votre téléviseur avec évidemment des filtres qui permettront de lisser les graphismes ou je pense, enfin je sais pas, mais on verra dans les options, avoir le rendu initial avec tous les pixels. On a une sortie audio à l'arrière qui nous permettra de brancher un casque, voilà, si on a envie de jouer tranquillement dans son lit sans embêter madame qui est à côté en train de dormir. Et nous avons ici donc tout ce qui, ça c'est la prise de secteur. Là, vous avez un joli bouton Neo Geo. En fait, c'est le bouton Power qui permet donc du coup de l'allumer et de l'éteindre. J'ai pas vu de bouton Reset, mais il me semble que c'est en faisant les combinaisons de touches Start et Select qui permettra de revenir à l'interface principale. Alors, ici, vous voyez, vous avez deux fentes de part et d'autre. Donc, c'est marqué un player, deux players. Et ça permet en fait de brancher une manette comme celle-ci. Vous la connaissez sans doute, c'est la manette de la Neo Geo CD, le contrôleur pad, qui se branche très facilement sur les côtés. Voilà, comme ceci.
Et vous voyez, il y a le petit logo Neo Geo en plus. Hein. Les puristes apprécieront, ça se branche voilà, tout facilement. Donc du coup, pour ceux qui préfèrent avoir le confort d'une manette et d'un écran de télévision, c'est tout à fait possible. Il y a un petit bémol quand même avec cette manette, qui est donc pas vraiment, en fait, si vous voulez, la manette exacte de la Neo Geo CD de l'époque. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'au niveau ici de la croix directionnelle, donc multidirectionnelle, on ne retrouve pas exactement les mêmes sensations d'antan. L'inertie est beaucoup moins, le retour est beaucoup moins agrippant que ce qui était à l'époque. Et on n'a même plus le cliquetis d'origine, qui était vraiment une marque de fabrique de cette manette. Là, vous l'avez plus, le son, vous ne l'avez plus. Donc moi j'ai pu essayer, si vous voulez, cette manette en jeu, et c'est vrai que les coups sortent, ont beaucoup plus de difficultés à sortir qu'avec la manette classique. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros bémol de cette Neo Geo Mini, je tiens à le souligner. En revanche, cette manette n'est pas fournie avec la console, elle est vendue à part. Moi ce que je vous conseille, lorsque vous avez envie de jouer avec cette manette, c'est de prendre la borne d'arcade comme ça, comme si c'était une console portable. Évidemment, vous pouvez la poser et jouer, voilà, comme si c'était, voilà, comme si vous étiez dans les salles d'arcade, sauf qu'au niveau de la prise en main, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité, si vous voulez, à prendre la borne d'arcade dans les mains comme ça et de diriger. C'est beaucoup plus simple. C'est comme si on avait en fait un pad dans les mains de cette manière. Et là, franchement, ça répond ultra bien. Je trouve que le stick arcade est vraiment de qualité et celui-ci est beaucoup plus, a beaucoup plus de répondants que le stick ici de la manette. Alors on va essayer de changer de menu, regardez, il suffit d'appuyer en même temps sur les boutons Start et Select, ça nous permet d'afficher voilà, l'interface. Vous le voyez, on peut donc sortir, on peut sauvegarder ces parties, charger ces parties, changer la luminosité. Alors l'écran n'est pas tactile, donc ça se fait directement ici. Donc comme c'est la version asiatique, on a évidemment plusieurs langues, le japonais, le coréen, l'anglais, le chinois, et c'est déjà pas mal, voilà. Donc là nous arrivons sur l'interface qui nous permet donc de sélectionner les différents jeux. Alors c'est vrai que l'interface est un petit peu cheap, mériterait peut-être voilà, un petit coup de neuf, hein. C'est vrai que c'est quand même assez pixelisé, c'est pas très joli non plus au niveau de la présentation. Malgré tout, voilà, ça fait le taf. Vous avez peut-être entendu des gens sur Twitter dire que ça laguait, que c'était pas forcément très fluide dans l'interface. Je ne suis pas d'accord. Regardez. Hein, je vous propose de regarder par vous-même. Ça marche plutôt bien. En fait, le gros problème de cette Neo Geo Mini, c'est qu'une fois que vous l'avez en fait branché sur la télé et que vous utilisez ce pad, cette manette analogique, là, il y a de véritables problèmes de latence parce que le pad, c'est vraiment le gros point noir de cette Neo Geo Mini, pardon. Mais sinon, voilà, aucun problème. On va lancer un jeu de baston, par exemple, je vais vous montrer. La Neo Geo Mini dans les mains fonctionne parfaitement et que vous n'avez aucun souci pour sortir les coups spéciaux à partir du moment où vous la tenez comme une console portable. Vous voyez, j'ai vraiment aucun problème pour sortir mes coups spéciaux. Le Power Wave, le Burning Attack, il est là. Voilà. Comme je vous le dis, franchement, très honnêtement, lorsque vous tenez la manette de cette façon, les coups sortent vraiment sans aucun souci. Il y a juste un petit temps d'adaptation, mais sinon, tout va bien. Par contre, évidemment, si vous voulez la poser comme ça, ça devient un peu plus compliqué, même si, franchement, on arrive à s'en sortir. Avec certes un peu plus de difficultés, mais on arrive quand même. Voilà, on y arrive quand même. Voilà, globalement, c'est ce que je peux vous dire sur cette Neo Geo Mini qui donc sortira dans quelques semaines en Asie, un petit peu en décalé par rapport à la version européenne. La date de sortie n'est pas encore communiquée, ni son prix d'ailleurs, mais voilà, on m'a dit que ce serait dans un prix totalement raisonnable. Et d'ailleurs, je vous propose maintenant de découvrir l'interview de Laurent Vernesi qui travaille chez SNK. Il est français, j'ai pu l'interviewer, donc je vous propose tout de suite qu'on l'écoute, j'ai pu lui poser quelques questions. Eh bien, je suis avec Laurent Vernesi, c'est bien ça, donc il travaille chez SNK et croyez-le ou non, il est français. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour Maxime. Ça fait plaisir de te voir parce qu'on se connaît, on s'est déjà rencontré notamment au Tokyo Game Show. Ça fait deux ans, n'est-ce pas? Exactement, hein ouais.
Alors, tu es ici donc à l'E3 2018. Je vois qu'effectivement, il y a un petit stand dédié à la Neo Geo Mini. Cette console-là, quel est le but pour SNK justement? Est-ce que c'est de relancer un petit peu la marque auprès peut-être des jeunes joueurs qui ne connaissaient pas, ou c'est de viser particulièrement les anciens, ceux qui ont grandi avec la Neo Geo? Eh bien, très bonne question. En fait, c'est les deux. Vu que en fait, cette année, c'est les 40 ans de la fondation de SNK. Donc en fait, SNK a voulu donc justement ressortir la Neo Geo, d'une part pour faire plaisir aux anciens, et en même temps aussi pour faire découvrir aux jeunes générations qu'est-ce que c'est justement la Neo Geo. Voilà ce qui a fait l'âge d'or de SNK dans les années 90. Effectivement, tous ceux qui ont grandi, notamment moi, exactement, dans cette période-là. Alors ce qui est assez intéressant, c'est effectivement, on le sait, c'est la grande mode de ressortir un petit peu toutes ces consoles rétro en version miniaturisée. Et là où SNK se démarque des autres, c'est que au lieu de faire une Neo Geo cartouche toute petite, ils ont décidé de prendre la bande d'arcade, la fameuse Neo 29 de l'époque, qui est sortie donc uniquement au Japon. Ça, c'était quelque chose qui était prévu dès le départ chez SNK. Il y a eu plusieurs plans en fait en interne et non en fait ce qui s'est passé c'est que le modèle dont tu viens de parler, le Neo 29 en fait c'était vraiment comment dire quelque chose que l'on pouvait trouver partout à l'époque au Japon dans toutes les petites épiceries en fait, à la sortie de chaque épicerie, bain public en fait, tous les enfants pouvaient jouer à la Neo Geo et c'est quelque chose donc, qui était vraiment très ancré dans la culture des gens de notre génération mais en fait au Japon et aussi en Asie, voilà, vraiment le côté arcade était vraiment très très fort, plus que le côté console de salon en Asie. Et au final, c'est ce modèle qui a été retenu. Voilà. J'ai cru comprendre qu'il va y avoir deux versions, une version japonaise et une version occidentale. C'est quoi la différence exacte? Il y a une petite différence de design, et aussi il y aura une différence surtout dans le choix de jeux en fait, disponible. Il y aura 40 jeux pour chaque modèle, mais il y aura 14 jeux qui sont différents. Donc si tu veux tous les jeux, tu prends les deux modèles, tu as 54 jeux Neo. Voilà. C'est la petite astuce pour que les collectionneurs prennent les deux en même temps. Une dans chaque main, voilà. Tu parlais d'une série de 40 jeux au total. Oui. Est-ce que tu sais à peu près comment a été faite la sélection? Évidemment, on retrouve un peu de tout. Il y a du jeu de Bastion, il y a du jeu de plateforme, il y a du shooter. Comment a été faite la sélection? Est-ce que tu le sais ça? Ce que je sais, c'est en King of Fighters, c'est une série qui est populaire surtout au Japon et en Asie. Donc en fait, il y a plus de jeux de baston dans la version multicolore, que l'on appelle la Neo Geo Mini. Et dans la version internationale, en fait, Metal Slug est une série qui est surtout populaire en Occident. Bon, c'est pour ça que l'accent a été porté sur ce type de jeu. Mais il y a quand même pas mal de jeux de baston, voilà. D'accord. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui la date de sortie, le prix de la machine? Est-ce que tu peux nous le dire ou alors c'est encore top secret? Okay. Alors pour ce qui est de la date de sortie, c'est prochainement, cet été, était hémisphère nord, hein, c'est pas Australie. Et pour le prix, c'est pas encore défini, ça va venir. Voilà. Est-ce que du coup, moi, je suis en France, j'ai envie de me l'acheter, je passe par qui en fait? Micromania, les petites boutiques à République, Internet, comment on va faire pour essayer de la récupérer, nous, cette fameuse Neo Geo Mini? En fait, quand le prix sera décidé, il y aura une annonce de fait par les réseaux sociaux de SNK. Et donc, il y aura possibilité de faire des. De précommander, voilà. Et normalement, il n'y aura pas de souci pour l'acheter par internet. Et après, je pense que les magasins suivront. D'accord. Donc voilà, faut rester à l'affût, voilà, pour des informations. D'accord. Eh bien, je te remercie, Laurent, pour toutes ces informations. Très heureux de t'avoir vu ici à l'E3 2018. Et puis, bien, restez bien connectés sur Jeux Actu. On vous propose d'autres vidéos, bien sûr, à la fois sur le site, sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. Merci, à bientôt.